Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, un petit unboxing, je viens de recevoir un colis. Alors, vous pouvez voir, grâce à la poussière qu'il y a dessus, il est arrivé avec ces fameuses tempêtes de sable, je ne sais pas si vous avez eu ça chez vous. On a eu une pluie qui nous a ramené du sable, mon colis n'y a pas échappé. Donc, est-ce que c'était sur les mains du livreur, j'en sais rien. Alors, ça arrive, donc, un petit sachet noir. Si je ne me trompe pas, c'est un nouveau vendeur. Ouais, c'est ça. C'est un vendeur que je teste sur AliExpress. Et en fait, c'est un partenariat. Parce que je l'ai contacté, j'ai discuté avec lui. Je lui ai expliqué que je voulais ma toile personnalisée. Tout ça, j'ai envoyé... des dessins. Et il m'a dit, bah, écoutez, avant de faire votre personnalisé, moi, ce que je vous propose, c'est de me tester et je vous envoie une toile gratuitement. Il m'a fait choisir parmi ce qu'il avait en boutique et donc, voilà ce que j'ai demandé. Donc, ça arrive super bien emballé dans des boudins mousse. Je vous mettrai le nom du vendeur. Il est au niveau communication, c'est quelqu'un de très gentil. Et c'est Advanced Diamond Art Store. Donc, j'ai un art qui sont tout pourris. Donc, je vous mettrai son nom. Alors, j'ouvre ça. Donc, c'est hyper bien protégé. Ça, là-dessus. Je vais peut-être vous mettre en pause le temps de faire sauter les scotch. Parce que ça va être hyper désagréable pour vous. Je vous reprends. Voilà, donc j'ai enlevé un peu de scotch et donc ça se présente comme ça, super bien emballé. Nous avons la toile, les diamants et le petit toolkit. On va commencer par le toolkit qui se présente dans un petit sachet comme ça. Donc déjà c'est super mignon je trouve. Hop. On a dedans un petit stylet pailleté. Avec trois embouts. Alors, ça a l'air d'être des embouts. Ils sont assez fins. C'est cool. J'ai un embout. C'est pas écrit. Alors, c'est pas écrit. Je suis pas une spécialiste des embouts. Je pense que ça, c'est un 2. Bon, enfin bref. Des embouts multiplaceurs. On a une petite mousse pour le confort. On a un petit rouleau de masking tape. Et j'ai du bol parce que je suis très bleue. Et j'en ai reçu un bleu qui est très joli. Et qui, ma foi, me paraît assez long. On a la petite barquette standard. On a une pince noire. Alors, c'est marrant parce qu'elle n'est pas aussi longue que celle de chez Wacan. Ma mère, très bien. Et on a un petit pot avec trois petits pains de cire. Écoutez, c'est un toolkit qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Donc, le petit toolkit présenté dans le sachet, super. Ensuite, on a les sachets présents. Et là, si vous regardez, vous apercevez, il y a des AB sur cette toile. On fait quoi? Je commence par le sachet, par les diamants. Je vais vous déballer les diamants, mais pareil, je coupe le son pour éviter le bruit des sachets. Donc, ça se présente comme ça. On a une feuille de route. Je cache l'image. Voilà, je les mets hors champ, l'image. J'ai 40 couleurs. Et si je vois sur la fin, donc j'aurai 4 AB. Donc, ça va me pas mal. Donc, 40 couleurs. Et si vous regardez, oui, je teste sur du carré. Sur les sachets, on retrouve la DMC, le poids, la taille de la toile, certainement la référence et le fait que ce soit en AB. Donc tout est en sachets-y bien rempli. Donc voilà, on a du bleu, on a du rose. Et les AB, ils sont là. Alors, attendez, j'ai ce vert, donc on a ce vert là, on a celui-ci qui est magnifique, ce petit rose,
On a ce vert-là, le 907. Et du coup, il m'en manque un rose. Ben, il est là. Il est resté. Hop là, je vous passe devant. Il est resté là. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai quelques couleurs foncées, ce qui va pouvoir me permettre de tester les carrés. Mais les diamants m'ont l'air plutôt beaux. Et à dire vrai, j'attendais tellement cette toile que je la commence tout de suite après la fin de la vidéo. Je trie, je mets en place et je commence. Je reprendrai certainement d'ailleurs un petit blabla d'épée avec vous pour commencer. Hop! Et maintenant, la toile. Donc, elle arrive comme ça avec des petits... on va les enlever. J'ai trois petits élastiques. Hop! Alors, c'est un toucher un peu Timmy Art, un toucher un peu coton. Pas velours, je ne vous dirai pas DAC parce que moi je n'ai pas testé DAC, mais c'est un toucher coton. Quand on la prend, elle se place très bien. Donc là-bas, il y a une petite tache noire. Ouais. Bon, honnêtement, c'est sur le dos de la toile, donc ça ne me perturbe pas. Elle est dentelée tout autour et je vous la montre. Elle est belle. Elle est plutôt jolie. Donc, c'est une 50-50 et je trouve que la taille... Alors, peut-être qu'un poil au-dessus, ça aurait été encore mieux. Après, le vendeur m'a expliqué hein, quand j'ai choisi le dessin. Il m'a dit, je peux vous la proposer en 50-50. Si je passe en 60, je vais avoir des frais d'expédition qui vont être un peu élevés. Donc, il me dit, est-ce que ça vous convient? Bah oui, je n'allais pas lui dire, non, non, paye. Déjà que je le contacte pour... une perso pour moi, d'ailleurs, qui est déjà commandée et qui est partie. Elle a été expédiée, donc vous devriez le retrouver dans pas très longtemps en unboxing. Mais cette toile-là, du coup, quand je l'ai... En fait, je lui ai fait un mail pour voilà, savoir comment on faisait pour les persos, comment ça se passait, quelle taille il me conseillait pour celle que j'avais choisie. Et puis, je lui ai dit que j'avais vu... passer son nom sur plusieurs vidéos YouTube et que j'allais moi-même faire mon unboxing. Et là, il me dit, bah si vous avez une chaîne, donnez-moi le lien. Je lui ai donné mon lien. Et il est revenu vers moi une heure après en me disant, j'aime bien ce que vous faites. J'ai vu que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas là, vous revenez. Je vous offre une toile. Vous choisissez une qui est en boutique. Je vous l'envoie et on valide votre personnalisé plus tard. J'ai dit, ok. Bon, bah... Voilà, j'ai pu choisir cette jolie toile réponse. Et à la suite de ça, ben en fait, j'ai pas attendu. J'ai validé ma toile perso, qui est partie de Chine hier ou avant-hier. Donc voilà. Pour en revenir à cette toile-ci, donc on a des deux côtés un tableau avec les DMC, les symboles. On l'a donc en haut. À droite et en bas à gauche. Elle colle très très bien. C'est marrant parce que ça fait pas un tissu, ça fait une espèce de tissu plastique un peu. Le toucher, c'est marrant. Elle a l'air... Non, elle n'est pas pailletée. Et donc, au niveau des symboles, regardez. C'est super bien imprimé. Que ce soit dans les couleurs. J'ai un petit reflet de ma lampe. Vous voyez. Alors, en ce qui concerne les AB, je pense que, voilà, donc là, Pascal sera en AB. On a ensuite ça, le petit D. Donc déjà, tout Pascal, c'est du AB. C'est le vert AB, d'ailleurs, il n'y en a que là. Donc, il va bien ressortir, le petit Pascal. Et après, il y en a dans les petites lanternes, du rose, bien sûr. Dans les petites lanternes qui volent. Donc, j'ai hâte, vraiment très très hâte de la faire. Si ce qu'on retrouve, donc bien sûr, je ne vous ai pas montré. Oh là là, on voit que j'ai perdu l'habitude, non? On a la petite miniature ici, on a le nom de la boutique ici, la référence et la taille. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi. Bon, bah, vous n'êtes pas sans savoir que Ariel est la princesse préférée de Lilou et que moi, c'est réponse. Donc forcément, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette toile. J'espère que le 50-50 va suffire. J'aurais dû la commander, c'est sûr, je prenais du 60. Quand je lui ai montré l'image, il m'a dit « Ok,
Moi, ça me va. Par contre, le max que je peux faire, c'est 50-50. J'ai dit, ok, bah, on y va. Après, il m'a bien dit hein, que pour lui, l'image serait bien et qu'il y aura un bon rendu. Donc, ça va aussi me permettre de tester ça. C'est-à-dire, là, il l'a fait par rapport à son budget à lui. Mais ça va aussi me permettre de voir s'il est de bons conseils par rapport à la toile, à la taille des toiles. Donc non seulement ça me permet de voir pour celle-ci s'il a été honnête. Bon après Pascal apparaît un peu fouillis, mais il n'est pas très gros. Après le reste ressort bien. Hein, le visage de réponse ou de Flynnrider ressortent bien. Donc on va voir. Et du coup on verra aussi sur ma perso, qui sera aussi une carrée. J'ai pas pris de rond, je me suis dit allez. Quand j'ai des grandes toiles comme ça, je préfère du carré. J'avais envie de la tester en carré. Par contre, je vous ai parlé, alors je crois que c'est dans le tag de Charlotte, je vous ai parlé d'une sirène qui était chez un grand du DP, qui du coup pratique des frais de port qui sont pour moi rébarbatifs. Du coup, celle-ci, je la commanderai en rond. Je la ferai en rond pour pouvoir tester également le rond. Et en plus, parce que ce sera un gros morceau aussi. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette toile, mais moi, j'en suis totalement fan. Et d'ailleurs, je vous laisse, puisque je vais aller préparer ma boîte à diamants et que je vais me dépêcher de réaliser cette toile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!